We wanted everything to be safe. We wanted everything to be kind and loving. I get attached to them a lot. Some we would even name and stuff, and we shouldn't have. They were like our little kids almost. And I had no idea that in the end, the babies would go for meat. It really drives home this breaking of the bonds between a mother and a baby. It's like you innately know that this is not right. Otherwise, I wouldn't feel so bad about it. I wouldn't feel so sad. I can't imagine what goes through their mind. You've loved this animal, and then you've sent them off to this horrible death. It's like a bit of your soul dies every time you do it. I really thought that getting a badge would allow me to do so much good. But it's very hard to protect animals that people view as commodities. And I saw the life go out of that individual a little bit at a time. And I never again in my life wanted to be involved in something that took the life out of anything. People in the community called Howard a turncoat. How could a rancher do such a thing? And it just shows you how quickly your life can change. Your feelings, your thoughts, your beliefs, what's important to you can change in a day. It was so large. And it was almost like you just didn't know where to start, but something had to be done. They said you have, you know, 48-hour period to get all of these animals out of here. And some of them celebrated. They knew they were safe. There was a lot of babies separated from their moms. It was on the third day that we were able to reunite them with their mothers in that field. I don't think it's a question of whether or not we're greater or more intelligent. We're just different. They follow me. Curious, interested. What they don't know is that this communion is a lie. I am not their herd mate. I am a pig farmer. And sometime soon, I'm going to have them killed. I love being around these incredible animals. I feel an obligation to give them the best life that I can. After 10 years of looking into thousands of pig eyes, I've come to understand that they're never vacant. There's always somebody looking back at me. I've taken 2,000 pigs to the slaughterhouse, and I've become haunted by the ghosts of those pigs. I don't want to have power to decide whether something lives or dies anymore. He is one of the last pigs that I will ever have slaughtered.
Je vais brièvement vous présenter les intervenants de ce soir. Il y a Sarah, qui est la patronne du domaine Narr. En allemand, c'est un jeu de mots. Hofnarr, ça veut dire le fou du roi. C'est pour ça que dans la présentation, vous entendrez souvent parler de fou. C'est parce que le nom du domaine est Narr, qui veut dire fou. Comment on peut remplacer ça par un mot plus sympa? Enfin, fou, je pense que ce n'est pas si mauvais. Sarah a 39 ans et le domaine se trouve dans l'Oberland suricois. Elle fait un travail énorme de relations publiques pour faire avancer la cause des animaux. Elle reçoit des classes scolaires et d'autres groupes. Ça peut être des familles, ça peut être des entreprises qui veulent passer par là, s'instruire un petit peu et faire l'expérience d'approcher de très très près ces animaux qui sont tous adorables. Comment on les traite, on reçoit un retour, hein, c'est dans le même genre. Elle enseigne l'éthique et elle organise des conférences, des repas vegan et plein de choses à ce sanctuaire qu'on va mieux connaître par leur présentation. Le domaine a une superficie de 5,5 hectares et ils y vivent 85, 85 pour les gens d'ici, animaux de différentes espèces. Actuellement, Sarah et son équipe produisent des fruits, des légumes et des céréales. Ils s'occupent énormément, comme j'ai déjà dit, de l'éducation et de la formation de tous ceux et celles qui veulent bien le subir. Sarah était anciennement professeure de philosophie à l'université et pédagogue curatif dans le domaine de la prise en charge de personnes handicapées. Elle a suivi une formation à l'école d'agriculture en parallèle de son travail. Sarah est mariée et a deux enfants. Son mari, Georg, travaille avec un pensum de 85% chez Greenpeace. Et le reste du temps, il s'implique à la ferme. L'autre sanctuaire est le sanctuaire Zukunft. C'est aussi un jeu de mots parce que le mot « coup » se trouve dans Zukunft, et si on y rajoute un H, on a nos vaches. Tony et sa femme Yvonne, là, qui va s'occuper de la présentation PowerPoint, ont la quarantaine et ont 4 enfants, de 7, 5, 3 et 1 an. Leur ferme se trouve à Balde, dans l'Oberland suricois aussi, à une altitude de 800 mètres et couvre environ 30 hectares de terrain. Tout le terrain est principalement en pâturage et parsemé d'arbres. Tony était d'abord agriculteur traditionnel et est aujourd'hui responsable donc de son sanctuaire avec 65 vaches et veaux. Lui aussi s'investit actuellement énormément dans le travail de relations publiques parce qu'il faut absolument étendre le mouvement et intéresser les gens qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les jours de visite à la ferme de Tony et d'Yvonne. Tony aimerait démontrer que même à une altitude de 800 mètres dans les environs de Zurich, on arrive à cultiver de la nourriture qui ne se base pas sur des produits animaux. Voilà. Est-ce que, à votre avis, Tony, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sarah, est-ce que je fais le tour de la question? Bon, alors je donne la parole à nos invités de ce soir. Merci beaucoup, Brigitte. Je vais essayer en français. Je n'ai pas parlé français pour très longtemps. Alors, si vous ne comprenez pas, le main. Voilà, le bien. Moi, j'essaie de vous aider. Ben, merci. Alors, moi, je vais commencer parce qu'on avait commencé après
toutes les éducations qu'on a fait à la fac et dans les écoles, on a trouvé une solution pour faire la éducation avec une ferme. C'était un peu notre projet. Changer le mot, ça ne suffit pas, parler tout le temps, penser beaucoup, faire la philosophie, mais il faut créer un lieu où on, en fait, change quelque chose, où on montre comment ça peut être différent. Alors comme ça, on a commencé à créer ce Hofnarr ferme. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de grandes choses pour être activiste, pour faire des trucs pour les animaux, mais comme Alice a déjà dit, des fois, il manque les gens qui travaillent avec les animaux et l'idée comment ça peut être différent parce que notre nourriture va toujours venir d'une ferme finalement. Alors, il faut faire des fermes différentes. Et ça, ça peut être une idée folle au début parce que personne ne le fait. Comme ça, nous avons choisi le nom Hofnarr parce qu'on est des fous. Mais qu'est-ce qu'on fait comme fous? On demande des questions. Dans les anciens âges, le fou a beaucoup questionné le roi. Et nous, on essaie de formuler des questions auprès des gens, la société. Comme ça, ça c'est le parfait nom. Pour notre ferme. Voilà. C'est pas le texte, Brigitte, je suis désolée. Mais je commence maintenant avec les slides. Alors, les sanctuaires, à mon idée, ont un rôle très important pour la libération des animaux. Très, très important. Vous voyez après pourquoi. D'abord, je dois beaucoup parler des idée préconçue des sanctuaires, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un lieu, une ferme avec beaucoup d'animaux, c'est très chouette, c'est joli, et il y a une famille peut-être qui collecte un peu des animaux, qui aime beaucoup des animaux, et c'est ça, ça ne va pas changer le monde. Mais avec les animaux, on parle beaucoup avec les gens, les animaux peuvent parler eux-mêmes sur leur situation et les gens de la cité ou de Zurich peuvent voir les animaux, ça c'est différent hein? Et ça c'est un truc que je ne parle pas ce soir beaucoup, mais c'est important qu'on a une idée précise des Lebenshöfe, des sanctuaires. Voilà, c'est un point très important parce qu'on fait pas seulement la collection, pas seulement les sauvetages, on dit, mais avec les animaux, on fait beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve les individus, mais on veut aussi sauver tous. Pour ça, il faut ouvrir les portes pour ouvrir les cœurs. On doit parler beaucoup des histoires, des fous, des animaux, de tous les trucs qui sont faux, merci, fou et faux, qui ne fonctionnent plus avec l'économie, par exemple, et tous les trucs que les animaux doivent survivre. Et il faut extendre le mouvement. Alors, ce qu'Alice a dit, il ne faut pas seulement être avec des activistes qui n'ont jamais le contact avec les fermes, mais il faut faire le cercle plus grand. Et à la fin, bien sûr, il faut avoir une agriculture végane et durable. Merci. Le mot le plus important chez nous, c'est hinterfragen, c'est remettre en question. C'est pas seulement vivre en normalité, tout est normal, mon père l'a fait comme ça, mon grand-père aussi, alors qu'est-ce que je peux faire? Rien. Alors, il ne faut pas juste vivre et faire une bonne vie, mais il faut demander des questions. Il faut remettre en question tout le monde, je crois. Les petits-enfants, ils font ça, mais après, on arrête, on ne fait plus. Et comme ça, ça fonctionne. Comme ça, le monde comme elle est, elle fonctionne. Alors, on dit à tout le monde qui arrive chez nous,
de remettre en question toute sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il achète, tous les trucs. Et après, on va voir qu'on ne veut pas supporter certaines choses. On ne veut pas que quelqu'un tue un animal pour nous, que le mange. Tous les trucs comme ça, c'est très très important. Et le fou, il fait ça. Comme ça, le fou, il est là. Sinon, je n'arrête pas. Je fais très très vite ce petit exemple, comme on est conditionné. Imaginez, vous rencontrez une femme avec un chien. C'est normal, hein? Personne ne dit rien. Imaginez, vous regardez le chien, il a seulement 3 jambes. Tout le monde dit, oh le pauvre. Mais il n'est pas pauvre, hein? Il joue, il est content. Alors, un chien doit avoir chaque jambe. Quelque chose n'est pas normal ici. Mais imaginez, vous rencontrez ce chien avec les 3 jambes, vous ne voyez pas qu'il a seulement 3 jambes et il est content, alors vous ne pensez rien. Peut-être, ah, ce chien, il est chouette. Après, imaginez, vous voyez cette situation, c'est tout à fait normal. Tu peux continuer. Et cette situation, c'est encore normal parce que c'est une femme et pas un homme. Les femmes, ils sont un peu, comment on dit, sensibles. Ils aiment aussi les cochons. Voilà. Mais si vous voyez une situation comme ça, déjà quelqu'un commence à penser, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas normal. Hein? Ben, c'est nous qui disons que c'est pas normal, mais ici on voit deux êtres sensibles qui sont dans un lien amical peut-être. Mais comme on a vu avec le chien et le cheval, ça c'est normal pour tout le monde. Mais ça déjà, mais qu'est-ce que tu fais après? Tu vas le manger? C'est bizarre. Et vous avez des cochons, alors vous avez de la viande. Et tous les trucs qui passent dans la tête parce qu'on a toutes les idées sur les animaux, parce qu'on est conditionné comme ça. Mais si on peut aller visiter les sanctuaires régulièrement, ça change parce qu'on peut avoir des autres relations avec les animaux. Et ça, il faut faire dans un sanctuaire. Il faut vraiment ouvrir les portes. C'est bizarre pour moi. Je ne peux pas changer, moi. Voilà. Ça, c'est Lotte et Lilian, des amis pendant 4 ans. Et ça, c'est très normal chez nous. Hein. On a beaucoup de jeunes, des vieux, ou des jeunes qui viennent avec la famille, qui vont seulement visiter les cochons. Ce sont les meilleurs amis. On a des gens qui achètent ou adoptent pas un chien, mais elles veulent visiter les cochons. Là, déjà, quelque chose change dans la réalité. Et c'est conditionnant. Moi, vous connaissez parfaitement, il ne faut pas lire, c'est le carnisme. Le carnisme est une idéologie jamais remise en question, voilà, selon laquelle nous mangeons certains animaux et en caressant d'autres. Pourquoi? Je pense, vous savez tous, mais voilà, le chien n'est pas différent du cochon en termes de sentience. Intelligence aussi, mais c'est le... Sentience, oui. Voilà. Et ça, c'est le truc important. Et pour ça, il faut toujours mettre les gens en contact avec les animaux qui sont normalement aux fermes. Oui, voilà. Et ça, c'est le pouvoir, si on peut dire, des sanctuaires, le plus grand. Vaincre le carnisme, sortir les animaux de l'anonymat. Parce qu'on parle beaucoup des cochons, on voit beaucoup des films horribles, on voit les gens qui font des actions pour les cochons, pour les vaches, pour les... Merci. Mais on ne les voit jamais. Ça fonctionne.
Et pour ça, il faut pas seulement parler d'eux, mais il faut les prendre avec et les intégrer. Merci. Voilà. Et ça, on fait chaque jour. On a presque 400 gens pendant une semaine sur notre ferme pendant l'été et le printemps, avec des écoles et beaucoup de gens. Et ce sont des situations comme ça. Ils ont changé après. Même après une visite, ça change déjà. Alors... Parce que, comme Juliette, Alice, tout pourrait être différent. C'est à nous de le changer. Et les animaux sont dépendants de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sauve des individus directement. Comme Pia ici, vous connaissez les histoires des poules. Ça, c'est la première journée chez nous. Son amie Frida, elle arrive normalement comme ça, ou plus nue. Et ici, ils ont une deuxième chance. Après quelques jours, peut-être quelques semaines, ils commencent à vivre. Et un jour, ça arrive avec les poules, mais aussi avec les autres animaux, ils ont tout à fait une confiance en soi. Un jour, ils ne sont pas une masse, ils sont un personnage. Voilà. Et c'est la plus belle journée pour moi toujours. Quand ils arrivent, et ils sont tous tristes et stressés, mais un jour, tout a changé. Ils ont compris que tout va bien maintenant. Voilà. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est le sauvetage indirect d'animaux. Comme j'ai dit, avec l'éducation, je vais vous montrer un peu des facts. Les meilleurs enseignants de leur cause sont les animaux eux-mêmes. Parce que même les gens qui ne croient pas que les cochons ont des sentiments, quand ils voient les cochons, par exemple notre Toby, ils voient que c'est une personne. C'est évident. On ne peut pas négliger. Voilà. Merci. Et normalement, en Zurich, par exemple, les gens sont en général très distants des animaux de rente. Souvent, ils n'ont encore jamais vu un cochon. Tout le monde dit, oh, ils sont très grands, oh, ils sont très gentils, mais ils puent pas. Tout ça, toujours. Comme ça, on voit, ils n'ont pas de relation avec les cochons, jamais. Sur la table, peut-être. Et aussi, 1 million d'époques souffrent. C'est horrible, c'est un nombre, c'est une statistique. Mais l'autre souffre, tout le monde. C'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux changer quelque chose pour l'autre. Alors, c'est très important d'avoir des individus, de parler avec. Oui, pour la merveille. Pour changer les trucs pour la masse. Voilà. Comme ça, tous les enfants aussi sont très surpris que les poules sont comme des chats. Elles ne sont pas comme des chats, mais elles aiment très bien les caresses. Et ça aussi change quelque chose sur la perception. L'éducation, ça veut dire expérience. Toute la journée, mais aussi information. Il faut beaucoup d'informations pour aussi comprendre que cet animal qu'on a visité aujourd'hui, tous les restes des sœurs et frères, ils souffrent chaque journée. Alors comme ça, ils font le lion. Et tout le monde peut dire, je ne le savais pas. Si seulement j'avais su, pourquoi personne ne m'a rien dit. Voilà. Et après ça, après le choc, peut-être il faut leur donner une compétence pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent changer. Ils sont capables de changer le monde, je dis. C'est une seule personne peut changer le monde. Alors, apprendre que nous pouvons faire quelque chose et découvrir ce que nous pouvons faire. On fait ça avec les enfants
On parle, on a des idées, on peut changer ce qu'on mange, mais on peut aussi être activiste, on peut changer beaucoup. Et ça ne fonctionne pas très bien en français, parce qu'en allemand, c'est les 6 V. Les V. Parce que les 6 éléments commencent tous avec un V. Ouais, voilà. Mais en français, c'est pas possible. Et c'est comme ça que je travaille avec les enfants, mais aussi les adultes. Il faut apprendre à comprendre les comportements. Avec ça, on crée des liens profonds avec l'autre, soit l'animal, soit une personne. Et on doit reconnaître le potentiel de changement de moi-même. Et ça donne confiance aussi. Et après, on doit voir sa propre responsabilité. Voilà. Mais ça, c'est une autre présentation. Je ne vais pas tout à fait parler beaucoup de ça, je crois. Tu peux juste... parce qu'on a pas beaucoup de temps. Oui, c'est quand tu veux. Si ouais. Tu veux. Sinon, vous pouvez demander des questions après. C'est juste expliquer un peu comment je fais. Mais je vais laisser à Tony et Yvonne après l'espace. Les liens profonds, c'est très important. Tous les enfants vont à la maison. Non, pas tous, mais beaucoup. Avec les liens profonds et ils vraiment changent quelque chose. Les mères, le père, la mère, le père m'appellent souvent après comment ils peuvent aider pour changer. Alors c'est très positif. Ici, je fais toujours un truc avec les enfants, c'est juste un exemple, pour voir comment on est égal. Les enfants, les chiens, les cochons, les poules, les vaches, je demande aux enfants, qu'est-ce que tu aimes faire? Je veux être vivant, j'aime ma famille, mes amis, amour, nanana. Toute la liste, et après on trouve les chiens, les mêmes intérêts. Alors aussi les cochons, les poules, les vaches et tout le monde. Et comme ça, c'est très facile, mais c'est très powerful. Oui, parce que les enfants comprennent, ah ouais, on est égal quand même. Et après, les potentiels de changement, je parlais. Et on trouve les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire dans son propre environnement, par exemple. Et après, les enfants vont à la maison avec beaucoup de confiance et savent comment faire une différence. Et ça, c'est encore le moment où on voit, c'est pas une marchandise, c'est quelqu'un, c'est un personnage, une personne, je veux dire aussi. C'est un vis-à-vis. Pour les adultes, des fois, ça dépend que c'est qui ou qui c'est. On fait des trucs différents. On joue aussi avec les concepts d'avant, mais on fait beaucoup aussi avec la nourriture, parce qu'ils ont beaucoup d'idées. On ne peut rien manger comme vegan et tous ces trucs. Alors on combine les présentations, les tours, avec quelque chose à manger. Mais on veut toujours que tout le monde va voir les animaux. Et ça, c'est un peu le truc... pour les fermes en général, parce que pas toutes les fermes sont dans les mêmes conditions. Il y a des fermes en montagne, il y a des fermes près de la cité, comme nous. On peut faire beaucoup parce qu'on est près de Zurich. Alors on est demandé de faire beaucoup et inviter tous les gens. Alors on fait beaucoup de food events, rencontrer avec votre ex-bidoche, que vous ne connaissez pas. Ah bon? Meet your meat in English. Your ex-meat. On fait toujours un tour ou une visite du sanctuaire où on explique toutes les histoires des animaux, mais aussi comment ça pourrait être différent, mais aussi comme les animaux ils sont, leur propre wesen, leur être, merci.
Et on fait beaucoup de workshops pour voir comment on peut faire une agriculture durable ou comment on peut faire l'éducation dans les écoles, par exemple, des trucs comme ça. Alors, on a des événements très différents. Aussi, échange d'idées, c'est très important avec des idées d'autres gens. Et on essaie de planter l'avenir. Alors, la culture alternative, ce sont des images. On parle et les gens écoutent. Voilà, j'ai dit, je fais tout. Et ça, je sais que c'est très important pour moi, non, mais les gens, ils veulent savoir que pour manger tous les trucs comme ça, ça c'est une petite part de notre buffet, je... petite part. Voilà. Je peux confirmer. Tu étais là pour le 1er août? Non, même pas. C'était encore mieux. Oui. Voilà, ça c'est la quintessence, entrer en contact avec l'autre, pas seulement parler. Apprendre à connaître l'individu, se rencontrer, se sentir proche, comprendre qui est là, établir les liens avec ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Alors ça, c'est très important. Le cochon Toby et le Botschafter, s'il vous plaît. L'ambassadeur, ça va? L'ambassadeur pour tous les autres cochons, ça, c'est très important. Et être touché dans son cœur. Tout le changement vient du cœur, finalement, je crois. Voilà, et en dériver des possibilités d'action. C'est toujours des cochons parce que ce sont des lieblings. Alors ça c'est un petit exemple parce que j'ai beaucoup de gens internationaux de l'école internationale et comme on dit en anglais, chicken, c'est aussi ce truc qu'on mange, hein. Pas en allemand, pas en français. Mais toujours les gens de la langue anglaise, ils arrivent, ça c'est chicken? I thought chicken was food. C'est un choc. J'ai vu plusieurs fois, vraiment, ça c'est les poules. Je croyais que c'est quelque chose à manger. Et après ils disent, je ne vais plus jamais vous manger. Oui, la perspective change, la perception change. C'est aussi les gens qui adoptent un animal. C'est nous, pour nous supporter, on peut adopter des animaux. Ils restent avec nous, mais on peut supporter. Mais après ça, ils prennent toutes les familles avec. Et ça, c'est excellent. Hein. Toutes les familles arrivent. Je vais visiter ma poule. Et comme ça, c'est une bougie dans l'obscurité. Parce qu'une fille comme ça, elle peut changer beaucoup autour d'elle. Voilà. J'ai assez parlé français, je crois. Voilà, ça, c'est le troisième. Peut-être aussi le plus important. Il y a la possibilité de changer le monde, c'est changer l'agriculture. Et c'est de ça, Tony va aussi dire quelques mots. Alors, on va aller au-delà de la violence et de la brutalité. Ça doit être durable pour tous, aussi pour nos enfants et les enfants des enfants. Mais aussi pour toutes les autres habitants de la Terre. Et c'est partie élémentaire du changement réel. Et c'est très important d'être un pionnier et donner l'exemple maintenant. Et comme j'ai dit, à la base de tout régime alimentaire, c'est l'agriculture. Voilà, mes enfants. Ils travaillent pour moi. non. Et ça aussi, c'est très important de s'impliquer
dans le débat public, politique, économique, partout. Comme on a dit aujourd'hui au train qu'on est arrivé, il faut être présent, montrer qu'on est là, qu'on a des idées et tout ça. Alors maintenant, je vais donner à Tony et Yvonne le microphone. Oh. Moi aussi, je vais essayer en français. Alors, comme vous voyez, on est arrivé à Wald, sur la ferme Yvonne et moi. C'est bien possible que je vais répéter quelque chose que Sarah a déjà dit, mais peut-être c'est que c'est nécessaire. Alors, Yvonne et moi, je vais vous raconter ce qui est possible, parce que nous, on est grandi sur une ferme. Alors, Yvonne, sur la ferme là, la ferme où Yvonne a grandi, et c'est la ferme que nous on mène maintenant. Et puis moi aussi, je suis un garçon paysan, comme ça, c'est. On est conditionné aussi par ça, parce qu'on trouve toujours normal, on ne connaît rien d'autre. C'est les deux fermes, on avait des vaches, on les traillait, on a enlevé les veaux, tout, et puis on ne savait rien d'autre, alors c'était normal pour nous. Et puis à 2010, on a repris la ferme des parents d'Yvonne. Et puis on a continué, on traillait les vaches, tout, on ne savait rien d'autre. En même temps, ça a commencé à se mettre des questions. Pourquoi on est là? Il y a un sens ici dans notre vie et tout, des questions qui ne se répondent pas tout seul. Et puis aussi les enfants sont venus, ça a beaucoup changé aussi. Oui, voilà. Et puis toujours on voyait beaucoup de parallèles entre nous et les bêtes. Chez nous c'était alors surtout les vaches. Et pour traire, on a beaucoup essayé, mais on n'arrive pas à faire autrement que enlever le nouveau. Oui, ça va le mieux si on le fait dans les premiers jours. Alors, on enlève toujours les petits bébés de leur mère. Et puis, on veut prendre tout le lait pour les hommes, hein. Et plus en plus, avec ces questions, on se demandait, on a commencé à sentir plus, et puis on sentait les douleurs, tout, le stress et tout, que les vaches étaient dedans. Et puis, pour une première grande changement, on a arrêté à traire, parce qu'on ne voulait plus enlever les veaux de leur mère. On a changé pour Mutterkuhhaltung, je ne sais pas comment. Oui, comme ça, alors c'était production viande, mais pour le moment c'était mieux pour nous parce que les petits veaux pouvaient rester avec leur mère. Mais on a vite remarqué que ça ne change pas beaucoup parce que elles étaient quand même battues après quelques mois. Alors, ça venait toujours pire en pire. Je pense que c'est vite, rien de plus. Je vais attendre Alors, hein? ça a commencé de plus en plus. Et puis, on remarquait
plus en plus que c'est pas juste ce qu'on fait, c'est on n'a pas trouvé de solution. Ça allait aussi loin que qu'un jour, j'allais dedans, j'ai Yvonne, j'avais vendu quelques veaux pour les battre, et puis je dis, j'arrive plus à faire, ça va plus, on savait rien comment ça va aller après à l'avenir avec la ferme, rien, mais je savais ça, j'arrive plus à faire. Chaque fois j'ai pleuré quand les veaux sont partis, et puis quand même pour toute la vie, c'était très important. Et puis, si des fois il faut faire un pas sans savoir une solution, alors c'était on sautait de l'eau sans rien savoir. Et puis, après, l'aide peut venir, mais des fois il faut faire quelque chose soi-même. Hein. Et c'est ça qu'a commencé, une autre manière de vivre ensemble. En même temps, avec les sentiments plus fins, j'ai rencontré les Wesen, les êtres qui sont dedans. Alors aujourd'hui, je ne vois plus de la viande et puis la tétine, ou bien c'est le autour, mais je reconnais l'être qui est dedans. Et puis si tu arrives là, ça change tout. Ça, moi je dis ça en Geborgenheit, en allemand, on ne trouve pas de mots en français. C'est la sécurité, oui, je ne sais pas comment traduire ça. Mais... C'est la confiance, c'est l'amour, c'est la sécurité. Tout est dans le mot Geborgenheit. Dans le mot. Alors aussi, avec ça, que je rencontrais les êtres dedans, une autre manière, comme on a dit, et les yeux dans les yeux avec nos frères et sœurs. Voilà. Pour moi, c'est très important parce que je trouvais une autre raison pourquoi les animaux sont sur Terre. Ils sont là pour nous aider. Et nous, on est là pour für sie zu schauen, für sie da zu sein. Oui, pour nous occuper de, voilà. Et la conscience des animaux est pour moi souvent plus haut que chez nous. Et puis la conscience pour moi, comme moi je comprends ça, ça n'a rien à dire avec l'intelligence. C'est une question d'amour, c'est une question de cœur ouvert. Alors là, chacun qui connaît un animal peut dire la même chose. On peut comme ça beaucoup apprendre d'eux. Alors pour moi, c'est ça la raison pourquoi elles sont avec nous, pourquoi elles sont en terre, sur la terre, et pas ça qu'on faisait avant. Hein. Oui, ça change tout, alors. Voilà, j'ai rien à dire. Oui, c'est Viola, et l'autre, c'est moi. Comme Sarah aussi a dit, pour nous, c'est une chose, c'est d'avoir changé la ferme, c'est tous les vaches et veaux
qui était déjà avec nous avant. Je dis toujours, on a sauvé nous tous ensemble, alors nous aussi. Hein. C'est une chose de sauver des animaux et puis leur donner une bonne vie, mais ça c'est très très important parce qu'on va souvent que les gens ils savent pas. Et tout le pub et tout ça, ça donne une image qui n'est pas juste. Nous, on sait, on est paysans, toujours, et on sait ce qui est là derrière. Alors, pour ça, on fait aussi des journées de visite. Oui, voilà, merci. Comme ça, les gens ils peuvent venir chez nous, rencontrer les vaches, comme Sarah aussi, elle a dit, ça, déjà ça change comme ça beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils n'ont jamais vu une vache aussi près, elles n'ont jamais touché, elles n'ont jamais regardé dans les yeux, ça c'est une chose, et puis nous, on essayait de leur raconter quelque chose qui n'est pas beau, mais qui est froid, qui est frais, et puis après, les gens elles peuvent réfléchir eux-mêmes ce qu'elles veulent faire avec ça. Oui, là, il ne faut rien dire, je crois. Ça, c'est Volga. La vache, c'est Volga. C'est c'est le chef du troupeau. Et puis, le petit veau, c'est Indra. Alors, c'est pas... la vachette à elle, mais elle regarde à sa chef. Hein. Oui, alors, pour vraiment changer quelque chose avec sur la terre, c'est mon avis, alors c'est quelque chose qui ne se passe pas dans ma tête. C'est pas, peut-être ça peut aider, mais c'est pas, ah maintenant j'ai compris. Pour moi c'est quelque chose qui, il faut être touché. Alors. Et puis c'est aussi, parce que moi j'étais pas toujours comme ça, comme je suis maintenant. Hein. J'ai tout fait avant. Avec les bêtes, ce qui n'était pas bien. Mais moi, j'étais touché. Alors, et puis, mon cœur s'est ouvert. Hein. Et puis, c'est ça, les animaux, chez nous, c'est les vaches, surtout, qui peuvent nous aider à faire ça. Amour inconditionnel. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que le changement va continuer. Oui, j'aimerais bien demander à un des deux ce qu'ils sentent là, à ce moment. Hein. Mais je crois qu'on va bien. Il ne faut pas le demander, même pas. Et ça aussi, comme Sarah aussi a dit, avec le tableau noir, là, on voit toujours qu'on est beaucoup, beaucoup plus proche aux animaux qu'on pourrait penser au premier moment. Hein. Alors, on a appris que nécessaire, c'est ce qui est là-dedans, ce qui est dedans. Pas, je suis un homme avec deux jambes, c'est une vache avec quatre. Pieds, non, ça c'est, oui, c'est juste aussi, mais c'est pas le plus important. Le plus important est là, ce qui est dedans. Et puis là, on est beaucoup, beaucoup plus près l'un des autres. Ça c'est aussi une situation qui s'est donnée sur une journée de visite
Alors c'est toujours très touchant ce qui se passe là. Et ça change toujours, toujours. Oui, quelques jours là, on avait. C'était encore dehors, sur le pâturage. Maintenant, ce matin, c'était tout blanc chez nous. Alors, ça, l'hiver commence maintenant. Journée de visite. Oui. Alors, c'est. Bon, c'est aussi très important pour nous, nécessaire qu'on ne va pas agresser les autres paysans, on va pas, on peut pas et on veut pas dire il faut faire comme ça. Pour nous, c'est comme avec les enfants, avec les, notre enfant, on va en avant. Et ceux qui veulent vivre, suivre, ils peuvent bien nous suivre. Si on peut leur montrer quelque chose, être un exemple pour comment ça pourrait être autrement, on veut bien le faire. Journée de visite. Après, il y a toujours beaucoup de questions qui viennent. Puis, oui, c'est toujours très bonne journée pour nous aussi. Hein. Une fois, il y a eu le printemps passé, il y a eu quelque chose dans le journal régional, et puis ça beaucoup ont écrit après, mais c'était surtout d'anciens paysans, des gens plus âgés. Et puis pour nous, c'était très intéressant parce qu'on a remarqué maintenant, ils sont un point dans leur vie qu'ils pouvaient parler ce qu'ils n'osaient pas dire avant. Alors, quand ils étaient dedans, dans leur profession, ils n'osaient pas dire que c'était que ça leur fait aussi mal ce qu'ils faisaient. Hein. Et puis, c'était des gens à 70, 75 ans qui nous ont écrit et puis ils se sont dit « Ah, oh, toute ma vie, j'ai senti ça. » Alors ça nous montre aussi comme on est... Oui, prisonnier, voilà. Et puis, l'autre chose, c'est toujours une question qui est toujours posée à nous. « Ah, ce que disent les autres, ce que dit la famille, et tout. » Et puis, moi, je ne sais pas. Et pour nous, c'est très important qu'on suive son chemin, sans demander ce que disent les autres. Comme ça, ça ne va rien changer. Super, merci. Sarah, est-ce que tu veux aussi témoigner de ce que l'entourage a pu penser, a pu dire? Est-ce que tu as eu des encouragements ou plutôt des gens qui t'ont dissuadé de te lancer dans ce projet? Je voudrais dire, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Non, c'est intéressant, comme on toujours dit, ce que disent les autres. Si on est überzeugt, convaincu, il faut le faire n'importe quoi, les autres. Mais c'est très positif chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions positives. Ils voient aussi ce qu'on fait, c'est positif. Il y a beaucoup de gens qui sont
heureux chez nous, les animaux vivent bien, comme ça on a une réaction très positive. Et maintenant aussi on a assez beaucoup de personnes, on dit personnes, oui, qui nous contactent pour demander des questions. Mais comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas si clair comme Tony et Yvonne, mais ça commence. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux avec ce qu'ils font. Je pense qu'il y a aussi une différence. Si on vient, comme, si j'ai bien compris Sarah, de l'extérieur, tu n'es pas venu d'une ferme ou tu n'as pas hérité une ferme de tes parents, ou bien si on reprend la ferme des aînés, et j'ai bien compris, il y a tes parents, Yvonne, qui habitent encore avec vous dans la même maison. Est-ce que vous n'avez pas de problème là entre la génération qui a fait l'élevage traditionnel et vous, vous faites tout différemment? Est-ce qu'il n'y a pas de tension entre les générations là? Gibt es da keine Probleme? Pour moi, c'est la vie. Et puis, moi, je reconnais tous mes devoirs pour toute ma vie. C'est ça ce qu'on fait maintenant. Pour ça, c'était aussi nécessaire qu'on est né comme enfant paysan. Pour maintenant, c'est autrement aussi. Un paysan, il change et il se libre. Et puis, ça donne des plus grands vogues. Hein. Alors, mais c'est nécessaire. Ça, c'est ça ce qu'il faut. Alors, ça aussi, hein. Une question, c'est ce que disent les autres. La deuxième, c'est... Et puis, l'argent. Si notre vie... fixé sur ça, on ne veut rien changer. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est... Ça va très bien, parce qu'une fois, on est toujours une ferme, alors on a le soutien de l'État, on a presque la même chose qu'avant. Et puis l'autre chose, c'est... On a... Comment on dit? Partner. Oui. Voilà. Et puis nous, on connaissait ça pas non plus avant. Il y avait des autres qui disaient « Ah, maintenant il faut là, je trouve pas le mot. Ça fait rien. Mais en tout cas, on ne connaissait pas, mais maintenant, ça a tout changé. Avant, si on veut regarder ça depuis... En vue de l'argent. Alors avant, on a vendu le mort. La mort, oui. Et maintenant, c'est des autres champs qui viennent chez nous. On a changé ça et eux, ils payent que les animaux peuvent vivre, qu'elles peuvent bien vivre. Alors, et on est aussi loin que ça se compagnait. Avant, avec l'abattoir, on gagne maintenant avec les parentages. Parrainage. Ouais, voilà. Alors ça va très bien. Si on veut arriver, si on veut vraiment, on veut arriver. Comme il a dit, tout est possible si on le croit. Ça marche, ça fonctionne. Ce que vous me disiez aussi quand on est venu vous visiter, c'est que vous avez lancé ce projet, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne saviez pas dans quoi vous vous lanciez, et l'aide est venue. L'aide est venue d'elle-même. C'est ce que vous m'aviez dit, hein. C'est assez fort, je trouve. Alors, l'aide de l'État, ou bien si on peut parler d'une aide, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est de l'argent. Ça, c'est la même chose, c'est le même argent qu'on avait déjà avant.
Alors c'est pas, c'est des subventions que tu reçois si tu fais comme tu cultives ton tes pâturages, tout, c'est comme ça. Alors ça on avait déjà avant, ça a pas changé, mais on n'a pas d'aide comme sanction, comme ferme de vie, ou bien comment on va dire. Alors moi, à moi, ils n'ont pas beaucoup demandé encore, parce qu'ils plutôt ils rient de moi, ils ne veulent pas me demander. Mais moi je crois le problème, c'est qu'on ne croit pas qu'il y a d'autres possibilités. Ça, c'est le problème. Alors, s'ils voient quelque chose et puis ça marche, c'est ça qui donne possibilité. Alors maintenant, c'est bien sûr comme ça qu'il y a plus de veaux qui naissent, parce qu'on est plein là. Alors, on a arrêté de les faire portantes. Et puis, comme ça, il y a des 60, 65, 64 vaches qui sont avec nous. Et puis, ça reste comme ça. Jusqu'à ce qu'elles meurent, comme nous. À peu près, quel âge? Oui, même plus, je suis sûr. Alors, c'est aussi, on est souvent demandé à quel âge elle arrive. Alors, si on regarde dans l'industrie laitière, c'est à 5 ans à peu près. Elles sont mortes, mais ça, c'est pas un mort naturel. Alors, elles sont battues. Alors, chez nous, le 1er novembre, la plus âgée a eu 18 ans. Alors, mais je pense qu'elle peut bien arriver à 30 ans. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut préciser que Tony et Yvonne ont seulement converti leur ferme il y a un peu plus qu'une année. Donc, ils avaient 50 vaches, et si maintenant ils sont 65, c'est parce que certaines étaient portantes. Mais ça a arrêté de... Oui, basse élimination de toute façon. Mais moi, je pense que je t'avais déjà posé la question, qu'est-ce que vous faites si une vache, elle demande le taureau? Ils sont des envies comme nous, hein, périodiquement... peut-être plus périodiquement que nous, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, là, on pourrait bien entendre parler dessus, parce que la question, c'est ce qui est naturel. Alors, moi, je me demande si c'est vraiment... si naturel qu'on a cette envie. Alors je vois aussi que les vaches, elles sont bien conditionnées par l'élevage, par toute l'industrie. Elles fonctionnent parce que le paysan, il attend qu'elle vienne en chaleur toutes les 3 semaines, parce qu'il faut qu'elle porte après la naissance. 3 mois plus tard, il faut qu'elle porte nouveau. Alors oui, je ne sais pas si c'est vraiment une envie ou bien c'est plutôt conditionné. L'autre chose, il faut demander aux vaches. Ça, je sais pas. Non, c'est clair qu'on a beaucoup discuté. C'est pas, on a 4 petits enfants, on a pris la ferme il y a quelques cents, ça coûte beaucoup, tout. Alors c'est pas facile, c'est clair, mais ça va, il y a un chemin. Alors, mais c'est normal qu'on discute et qu'on n'ait pas toujours le même avis, c'est aussi normal.
Je me permets de répondre à la place de Tony parce que c'est une question que nous avions déjà discutée et puis j'ai noté ses réponses, donc je les ai ici. Comme dans une famille, la flexibilité est nécessaire aussi dans une ferme avec des animaux et chaque jour peut être complètement différent, dépendant de la saison, la récolte, le pâturage, le temps, l'école ou non, etc. Vu sous cet angle, la journée typique est presque inexistante. Si le temps et les températures le permettent, les vaches sortent au pâturage après avoir été affouragées à l'étable. En été, elles sont dehors la nuit et le jour dans l'écurie qui est plus agréable. Nous n'achetons pas de nourriture complémentaire, nous conservons tout nous-mêmes. Avec les longs hivers chez nous, ce n'est pas peu de choses. Toutes les récoltes, qu'elles soient de foin, de fruits ou des produits de notre jardin, nous donnent beaucoup de plaisir et nous occupent pleinement. Yvonne et moi travaillons seuls, sans employés, parfois avec l'aide d'amis. C'est un défi de tous les jours que de vivre avec les enfants comme nous l'imaginons, et aussi et surtout d'être à la hauteur de nos propres exigences. Il faut de l'énergie pour pouvoir donner. Alors non, pour le moment, c'est plein avec les animaux, avec nous. Notre devoir, c'est de protéger les animaux, de leur donner une voix pour leur aider, pour changer quelque chose. C'est notre premier devoir qu'on a. Alors pour le moment, on ne cultive pas. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses dans ma tête, mais il ne faut pas parler encore de ça. Je vais essayer en français. C'est un peu difficile. Mais moi, j'appelle ça maintenant la phase de transition, parce que la future va être évidente, ça c'est clair. Mais il faut y aller, et il faut des gens comme Tony, spécialement avec les vaches en Suisse, où tout le monde a les images dans la tête. La réalité, elle est bonne et tout va bien. Et là, il y a Tony et Yvonne qui parlent de la réalité. Et ça, c'est plus important que les céréales maintenant. Les céréales, autrement, les font déjà. Mais lui, comme une personne qui va, comme ici par exemple, et autre place, raconte son histoire, ça c'est important. Alors, les céréales, c'est bien, mais l'éducation, c'est plus important. Dans la phase de transition, bien sûr. Ça me fait penser en parlant des vaches. Quand je suis venue vous voir, on a parlé des cornes des vaches. Et c'est un thème qui est particulièrement dans l'actualité d'aujourd'hui, mais c'est cette initiative contre les cornages, où, donc, pour des aides en vue d'arrêter les cornages. Est-ce que vous pouvez me parler de ton expérience avec justement enlever les cornes des vaches, ou c'est trop difficile? Alors, les cornes, ça montre une chose, comment on est conditionné. Alors moi je dis aujourd'hui ça, ce que j'ai appris dans ma profession, beaucoup c'est faux, presque, j'aimerais presque dire un peu, ouais, tout. Alors, et une chose, c'est les cornes. Alors, avec les stabulations libres, ça a commencé, les vaches étaient, sont plus attachées, c'est très bien. Mais après, on a dit, ils se blessent, il faut les couper, ou bien on les brûle au petit feu, qu'elles ne grandissent pas. Mais ça, c'est vraiment grave. Et puis moi, je croyais aussi ça. J'ai aussi fait. J'ai presque tout fait. Ce que je ne ferai plus maintenant, c'est clair. Ça, avec blesser, c'est pas juste. Parce qu'on a remarqué que pour se verständigen, oui, pour se comprendre, pour communiquer avec, c'est très très nécessaire. Alors ça va plus facilement avec les cons que sinon. Alors on a même vu que plus souvent elles se poussent
dans la montre si on se bat pas de camp parce qu'elles ne se comprennent pas. On sait même que quand elle mange, l'estomac, ça travaille jusque dans les cornes. Alors, si vous regardez les vaches qui sont décornées, ils ont une boule là-dessus. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de cornes. Et pour moi, c'est les antennes spirituelles pour les vaches. Ça, c'est très clair. Et comme ça, vu comme ça, c'est vraiment grave ce qu'on fait là. Non, c'est bien pour avoir vu ce que les gens apprennent, mais si j'étais pas vegan, je le... tout de suite, voilà. Si on apprend beaucoup sur le comment faire profit, comment faire beaucoup de choses aux animaux, comment en anglais c'est facile à dire donner le moins input pour avoir le grand output. Alors comme ça c'est on apprend les animaux sont vaut rien, ne valent rien, voilà. Et ça, c'est très choquant, mais c'est aussi intéressant parce que maintenant, je sais ce que les gens apprennent. Oui, mais c'était dur. Et je veux toujours écrire un livre sur la formation. Oui, un jour. Non, parce que... on a beaucoup de gens qui veulent nous donner des animaux chaque journée. Et les vétérinaires, ils ne sont pas vraiment sur la partie végane, je veux dire. Ils arrivent pour contrôler, c'est tout. Et si je dis quelqu'un n'est pas très bien avec ses animaux, ils vont là pour contrôler, mais ça c'est tout. Ils sont gentils à Zurich, c'est ok, mais ils ne veulent pas travailler avec le sanctuaire. Vous avez des problèmes avec eux? Oui, et à Zurich, oui. Mais avec autre canton, ça va pas. Non, pas encore, mais maintenant peut-être oui. Mais on travaille plutôt avec le change des fermes et toute l'agriculture. Et ça, c'est un autre truc que je crois. Ça, c'est très important, mais on ne peut pas faire tout. Alors, changer l'agriculture, c'est un truc, un grand truc. Alors ça, j'aime bien autre chose. Entre gens font ça. Aussi, pour la médecine vétérinaire, j'aimerais bien avoir des bonnes vétérinaires qui savent quelque chose sur les cochons ou les poules et tout ça. Mais aussi ça, je ne peux pas faire aussi. On peut faire beaucoup, mais pas tout. Oui, peut-être aussi avec ça, pour moi, c'est important de reconnaître comment on est prisonnier. Alors, pour moi, mon avis, ça ne sert à rien d'agresser les paysans. Je dis ça pas parce que moi je dis un, hein, alors c'est parce que ça ne sert à rien. Et puis, mais les paysans, ils doivent reconnaître comme ils sont prisonniers d'un système. Et puis, c'est la même chose avec les vétérinaires. Alors, ils ne voient qu'une chose qui... c'est pas tout, hein. C'est même faux. Alors, mais ça, il faut reconnaître ça soi-même. C'est une chose de chacun pour soi. Alors, chez nous, c'était comme ça que déjà avant, quand on traillait les vaches, encore, on n'avait presque pas de vétérinaire sur la ferme. Parce qu'on ne faisait ça pas très intensif. Et puis, on a trouvé un autre chemin. C'est clair que maintenant, ça a encore une fois changé. Mais ce n'est pas qu'on n'a plus rien, parce qu'il y a toujours quelque chose.
qui peut arriver. Pour moi, le plus nécessaire, c'est qu'on a trouvé un autre chemin. Et puis pour moi, c'est clair que tous les... qui est bloqué, qui est blessé, qui est malade, ça vient de l'esprit. Alors, il faut aller là-bas pour guérir quelque chose. Alors, si on regarde par exemple une vache laitière, comme on dit, hein, la tétine, c'est toujours un problème. C'est souvent la raison qu'on tue les vaches, parce que la tétine est malade. Et ce qui fait, le vétérinaire, il met l'antibiotique dans la tétine, et puis ça ne va rien du tout guérir. Alors, moi j'ai trouvé que c'est à cause de leur mal, de leur souffrage, tout, que, et puis ça se montre seulement dans la tétine. Mais ce n'est pas la tétine qui est malade. Alors, c'est une pensée autrement. Hein. Et c'est surtout ça qui nous a fait là, ici, qu'on n'a plus de vétérinaire. C'est pas parce qu'on est sorti, ça aussi, mais c'est plutôt l'autre vue qu'on a. D'abord, il faut nous contacter pour voir c'est quand. Parce que des fois, on a beaucoup de chance et on est rempli. Et l'autre, moi, on fait beaucoup de. Les récoltes, par exemple, on a besoin de beaucoup de gens, peut-être. Alors on peut organiser. Comme ça, il faut écrire un mail ou appeler. Oui, il y a tout sur le flyer, merci beaucoup. Toutes les informations. Oui, pour voir aussi à quel. C'est pendant une semaine parce que vous habitez ici ou c'est proche à Zurich, alors vous pouvez venir un jour par semaine ou quoi. Ça dépend. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup d'être venu. C'était un plaisir, c'était hyper important. Et je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois chaleureusement.